Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Cash Collector. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Cette fois-ci, ce sera pour les WWE Tops Elite. Donc c'est des cartes à collectionner, comme vous pouvez le voir dans un beau coffret collector. Vous pouvez avoir ce coffret pour actuellement 29,99€ soldé chez Micromania et Zing. Clairement, 29,99€ pour des autographes, pour deux autographes, pour des petits morceaux de tapis de ring, pour vraiment... 29,99€, c'est vraiment super. N'hésitez pas à aller en chercher car il n'y en a plus beaucoup. Alors, ce coffret est limité à 500 exemplaires. Vous y trouverez donc des cartes de Raw, SmackDown, NXT et des légendes également. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, comme je vous ai dit, le certificat d'authenticité est là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On a ici, on retrouve les deux autographes, Braun Strowman et Shelton Benjamin, qui sont, on n'a pas le choix, hein, c'est toujours les mêmes autographes qu'on retrouve dans tous les coffrets collector. Alors, ensuite on a deux paquets de cartes, cartes collector bien sûr. On va ouvrir le premier, hop, voilà, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Voilà, comme vous voyez, il y a deux cartes ici qui sont plus grosses que les autres. C'est les cartes avec les petits morceaux de ring. Alors ça, par contre, ça diffère des paquets à d'autres. Donc vous pouvez avoir beaucoup de chance et avoir du WrestleMania ou avoir un peu moins de chance et avoir que des petits pay-per-view. Mais bon, en soi, c'est déjà super pour 29,99€. Alors, voilà, je mets ça là. On va commencer avec les cartes de ring. Et la première, c'est Seth Rollins à SummerSlam avec le petit morceau de ring ici. Je trouve ça super, super cool. Et la suivante, Finn Balor en démon avec un morceau de ring de NXT TakeOver. Dallas, Texas. C'est super cool. Je vous laisse regarder. Voilà. Ensuite, bon, les cartes, on va pas toutes les faire parce qu'il y en a, un tas. Mais elles sont vraiment super jolies. Vous pouvez le voir. On a tout. On a des cartes brillantes, des cartes mates. Dean Ambrose, Brock Lesnar, Strowman, Bayley, Asuka. Il y en a vraiment énormément dedans. Allez, on va attaquer notre paquet. Je rangerai tout à l'heure. Hop. Alors, en ce qui concerne le second paquet. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir une carte de WrestleMania? Ce serait super. Je me le souhaite. J'espère qu'on aura un petit peu de chance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Bobby Roode à NXT Live. Bon, ben voilà, comme je vous disais, on peut tomber sur du WrestleMania ou sur un simple show NXT. C'est un peu dommage, mais bon, c'est toujours sympa pour le prix du coffret. Je me souviens, au tout début, c'était un coffret qui était quand même affiché dans les 150€. Petit à petit, à Micromania, ils l'ont soldé à moins 50. Et encore moins 50, et quelques petites promos. Et on arrive aujourd'hui à 29,99€, c'est vraiment pour rien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça y est, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après? Et voilà, on a un morceau du ring de WrestleMania avec Shane McMahon. J'espère que vous voyez bien la caméra. Voilà, donc pour résumer, on a quand même énormément de cartes. Vous voyez, on a quand même beaucoup, beaucoup de cartes. Beaucoup d'NXT dans ce paquet-là. Ah, Batista qui est dans les légendes maintenant. Voilà, Beth Phoenix, Adam Cole. Vraiment super.
On a beaucoup beaucoup de cartes. Et imaginez, pour 29,99€, on a toutes ces cartes. On a deux autographes et quatre morceaux de tapis de ring. Je trouve ça vraiment génial. En plus, les autographes, comme vous pouvez le voir, sont dans des petits présentoirs en métacrylate, en plastique là. C'est vraiment super. Et voilà, maintenant je vais ranger tout ça. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'acheter ce coffret. C'est pas du placement de produit, c'est juste que un objet collector de la WWE à 29,99€. C'est vraiment super. En plus, c'est un objet français, hein. Comme vous pouvez le voir, il est écrit en français, ce qui se fait rare de nos jours. Et pour 29,99€, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà, j'espère que vous avez donné envie de l'acheter. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, quelle carte vous avez eue au niveau des rings, au niveau des morceaux de tapis de ring. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez eu d'autres WrestleMania ou quoi, ou si vous n'avez pas eu de chance, ou si vous en avez plus que moi. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. A bientôt!